Bon, on va traiter la troisième partie. La troisième partie, on considère la fonction grand f définie par f du x est égal à l'intégrale du x carré jusqu'à la x carré, f du t si x est différent de 1 si x est égal à 0. F de 0 est égal à 2, ln de 2. La première question, petit a. Bon, un petit a. Vérifions. Vérifions que intégrale de x carré jusqu'à 4 x carré, 1 sur t, d de t est égal à du ln de 2. Bon. On a pour x différent de 0, intégrale de x carré, 4x carré, 1 sur t du t, est égal à l'intégrale de x carré, 4x carré, ln de valeur absolue du t, prime du t. La dérivée de valeur absolue de ln de valeur absolue du t sur t est égal à 1 sur t. Donc est égal à intégrale de x carré. Donc c'est la somme de ln du valeur absolue du t du x carré jusqu'à 4x carré. Et comme x carré et 4x carré, t varie entre 4x carré et 4x carré, alors, et x carré est positif, donc t est positif, alors est égal à ln de t du x carré jusqu'à 4x carré, qui est égal donc à ln de 4x carré moins ln de x carré qui est égal à ln de 4x carré sur x au carré. On simplifie par x carré est égal à ln de carré qui est égal à ln de 2 au carré qui est égal à 2 ln de 2. Donc, intégrale de x carré, 4x carré, 1 sur t d de t est égal à 2 ln de 2. Pardon. Bon, la question B, en utilisant le résultat de la question partie de la question 1 montrant que quel que soit t positif, moins t inférieur à exponentiel, moins t moins 1 qui est inférieur à 0, inférieur ou égal à 0. Bon, on a, quel que soit x appartenant à R, bon, le résultat de la deuxième partie de la question A, exponentiel x est supérieur ou égal à x plus 1. Donc, quel que soit t positif, on va remplacer x par moins t, donc moins t est supérieur à moins t plus 1. Cela implique que moins t moins 1 est supérieur à moins t. Et comme t est positif, implique moins t est négatif, cela implique que exponentielle moins t est inférieur à exponentielle 0, car la fonction exponentielle est en fonction strictement croissante.
Bon, cela implique exponentiellement t est inférieur, exponentiellement c'est 1, cela implique que exponentiellement t moins z est inférieur à 0. Et comme moins t est inférieur à exponentiellement t moins 1, alors, quel que soit t positif, moins t est inférieur à exponentiellement t moins 1 qui est inférieur à 0. Voilà pour cette question. Bon, la deuxième question, la question A. Montrer que quel que soit x positif, montrons que quel que soit x strictement positif, moins 3x carré, est inférieur à f de x moins 2 ln de 2 qui est inférieur à 0. Bon, quel que soit x positif, on a moins x inférieur à l'exponentiel moins x moins 1 qui est inférieur ou égal à 0. Bon, maintenant on passe à l'intégrale. Donc, bon. Quel que soit x positif, on a exponentiellement moins t inférieur à exponentiellement t moins 1 qui est inférieur à 0. Donc par passage à l'intégrale, donc l'intégrale de x carré, 4x carré moins t de t est inférieur à l'intégrale de 0. Bon, avant de passer à cette intégrale, on voit tout d'abord. Bon, cela implique, bon, il nous faut, pour avoir f de t, il faut, on va diviser par t. Donc, cela implique que moins t sur t, t du positif, c'est l'exponentiel de t moins 1 sur t, qui est inférieur à 0 sur t. Cela implique que moins est inférieur à l'exponentiel moins t sur t, moins 1 sur t, qui est inférieur à 0. Maintenant, on va passer à l'intégrale. Bon, cela implique l'intégrale de x carré jusqu'à 4x carré. X est positif, donc 4x carré supérieur à x carré. Moins 1 t de t qui est inférieur à l'intégrale de x carré, 4x carré, exponentielle moins t sur t, moins 1 sur t, d de t qui est inférieur à l'intégrale de 4, bon, de x carré, 4x carré, 0 d de t. Bon, cela implique que moins intégrale de x carré, 4x carré, 1 multiplié par d de t, c'est t prime d de t qui est inférieur. Bon, les deux intégrales sont convergentes, donc on peut séparer. Bon, les deux intégrales sont finies, on peut séparer. Cette somme, bon, intégrale de x carré jusqu'à 4x carré, 0, c'est la dérivée d'une constante diluée, pardon. Bon, cela implique que moins, ici, t de x carré jusqu'à 4x carré inférieur, ici, c'est f de t, d'après la question précédente, ici, c'est 2 lignes de t, qui est inférieur à c entre x carré et 4x carré. Cela implique
que moins 4x carré, moins moins x carré c'est plus x carré, est inférieur à f du t, f du x pardon, f du x. Moins 2 ligne de 2 qui est inférieur. Bon, c moins c est égal à 0. Donc, cela implique que mon 3x carré inférieur à f du x moins 2 ligne de 2 qui est inférieur à 0. Voilà, c'est ce qui fait son x positif. Voilà la question suivante. On déduit que la fonction f est continue et dérivable à droite de 0. B, déduisons que la fonction grand f est dérivable. Il continue, il dérive bon, bien sûr, on peut montrer qu'il est dérivable à droite de 0, donc il continue à droite de 0. Mais on va traiter une question séparément. Il continue, et dérivable à droite en 0. Bon, on va commencer par la continuité. Bon, on a limite du f du x quand x tend vers 0 plus est égal à limite de f du x moins 2 ln de 2 plus 2 ln de 2. Quand x tend vers 0 plus. Bon, calculons limite de f du x moins 2 ln de 2. Quand x tend vers. Bon, on a, quel que soit x positif, moins, 3x carré est inférieur à f du x moins 2 ln de 2 qui est inférieur. Donc, par passage à la limite, bon, cela implique que limite de moins 3 x carré quand x tend vers 0 plus est inférieur à limite de grand f de x moins 2 ln de 2 quand x tend vers 0 plus qui est inférieur à 0. Cela implique que 0 est inférieur. Bon, c'est un complément, il est continué à 0. Donc, la limite de moins 3 x carré quand x tend vers 0 plus est égal à la limite de moins 3x carré quand x tend vers 0, donc est égal à l'image de 0 par ce polynôme, donc c'est 0. Limite de f du x moins 2 ln de 2 quand x tend vers 0 plus inférieur à 0, cela implique que limite de f du x moins 2 ln de 2 quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Alors, limite de f du x quand x tend vers 0 plus est égal à 0 plus 2 ln de 2. Cela implique que limite de f du x quand x tend vers 0 plus est égal à 2 ln de 2 et 2 ln de 2 n'a rien d'autre que f de 0. D'où
limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à f de 0. Alors, grand f, pi continue en 0. Maintenant, pour la dérivabilité. Montrons que grand F est dérivable en 0. On a limite de grand F de x moins F de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus est égal à limite de grand F du x moins de ln de 2 sur x quand x tend vers 0 plus. Bon, et comme moins 3x carré inférieur à f du x moins de ln de 2 qui est inférieur à 0, alors moins 3x carré sur x est inférieur à f de x moins de ln de 2 sur x qui est inférieur à 0 sur x. Cela implique, bon, on va simplifier par x, quand moins 3x est inférieur à grand f de x moins de ln de 2 sur x qui est inférieur à 0. Bon, par passage à la limite, cela implique que limite de moins 3x quand x tend vers 0 plus est inférieur à limite de grand f de x moins de ln de 2 sur x quand x tend vers 0 plus qui est inférieur à limite quand x tend vers 0 plus 0, donc c'est 0. Bon, la limite de moins 3x moins x tend vers 0, c'est un polynôme, donc il suffit de remplacer x par 0. Alors, l'image de 0 par ce polynôme, c'est 0, donc inférieur à limite de f de x moins de ln de 2 sur x quand x tend vers 0 plus qui est inférieur à 0. D'où limite de grand f de x moins de ln de 2 sur x quand x tend vers, quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Alors, limite de grand f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Donc, f est dérivable à droite en 0 et on a f prime droite de 0 est égal à 0. Bon, une interprétation graphique. Donc, si le grand F admet une demi-tangente horizontale à droite en 0. Au point A de coordonnées 0, du ln de 2.
Bon, ma question suivante. 3. Montrant que Q soit T, F de T affirme l'exponentialité. Pardon. Définissure R plus, pardon, j'ai oublié ici, sur R plus par la question A. Montre que Q soit T supérieur à 1. Montrons que quel que soit T supérieur ou égal à 1. F du T. Inférieur exponentiel moins t. Bon, quel que soit t supérieur ou égal à 1, cela implique que 1 sur t est inférieur à 1 par passage à l'inverse, 1 sur 1. Cela implique que 1 sur t est inférieur à 1. Cela implique qu'on va multiplier le nombre de cette inégalité par exponentielle moins t. Donc 1 sur t multiplié par exponentielle moins t inférieur à exponentielle bon, on a multiplié par exponentielle moins t. 1 multiplié par exponentielle moins t. Cela implique que exponentielle moins t sur t est inférieur à exponentielle moins t. Et exponentielle moins t sur t n'est rien d'autre que f de t. Donc f de t est inférieur à exponentielle moins t. Bon, pour la question suivante, on déduit la limite suivante. B, déduisant la limite suivante. Limite de grand f de x quand x tend vers plus infini. Bon, on a limite de grand f du x quand x tend vers plus infini est égal à la limite de l'intégrale de x carré jusqu'à 4x carré f du t du t quand x tend vers plus infini cette limite est inférieure à la limite de l'intégrale de x carré 4x carré exponentielle moins t du t quand x tend vers plus infini. Bon, x est positif. Donc, x carré est inférieur à 4x carré. Bon, et d'après cette inégalité, on a intégrale de x carré jusqu'à 4x carré du t du t est inférieur à l'intégrale de moins x potentiel t du t. Bon. Cette quantité, elle est égale, pardon, à moins l'exponentielle moins t moins t prime du t qui est égale donc à moins l'exponentielle moins t du x carré jusqu'à 4x carré qui est égale donc moins 4x carré plus exponentielle moins x carré bon limite quand x tend vers plus infini
d'eau limite de x carré jusqu'à 4x carré quand x tend vers plus infini de expansion moins t de t est égal à la limite de moins 4x carré plus expansion moins x carré quand x tend vers plus infini qui est égal à bon qui est égal à la limite à moins limite de l'expansion moins 4x carré quand x tend vers plus infini plus limite de moins x carré quand x tend vers plus infini qui est égal à 0 à moins 0 plus 0 qui est égal à 0. Donc inférieur. Bon. À exponentielle moins 4x carré plus exponentielle moins x carré. Donc, limite lorsqu'x tend vers plus infini, inférieur limite de f de x quand x tend vers plus infini qui est inférieur à limite de l'exponentielle d'au moins. X tend vers plus infini, bon, cela implique que 0 est inférieur à la limite de f du x quand x tend vers plus infini qui est inférieur à 0. Alors, limite de f du x quand x tend vers plus infini est égal à 0. Bon, la limite qu'on est en train de chercher, il vaut 0. Bon, on passe à la question suivante. La question 4. Bon, la question 4 là. Montrons que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, puis calculer f' du x. Montrons que f est dérivable sur l'intervalle. L'intervalle 0 plus l'infini et calculons f prime du x, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Bon, on pose f1 du x est égal à l'intégrale de a jusqu'à x. F de t, d de t. Bon, on a F est continu sur 0 plus infini. Donc, F1 est dérivable. Sur 0 plus infini. Bon, ici avec A positif. Un nombre réel strictement positif. Et comme les fonctions U qui a x associé 4 à x carré et V x associé x carré sont dérivables
sans devoir être sûr. 0 plus 1 fini, car ce sont des polynômes. Alors, la fonction grand F1 rond U moins grand F1 rond V est dérivable sur 0 plus infini. Et comme F1 rond U moins F1 rond V, pardon, exponentielle de moins x carré sur
x carré multiplié par 2x. Bon, on va simplifier ici par 4x, donc il me reste 2x, 2, pardon, c'est 2. 2 exponentielle moins 4x carré sur x moins, on simplifie ici par x exponentielle moins x carré sur x multiplié par 2. Bon, 2 multiplié par moins x carré sur x facteur, donc moins 4x carré plus, multiplié par, pardon, exponentielle moins x carré, moins 1. On a factorisé par 2 exponentielle moins x carré sur x. Donc, est égal à 2 exponentielle moins x carré sur x facteur de l'exponentielle moins 4x carré plus x carré moins 1 qui est égal à 2 exponentielle moins x carré sur x exponentielle moins 3x carré moins 1. Et si c'est plus, pardon, c'est plus. On a factorisé mon par x et l'exponentielle moins x carré. Oui. Nous, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, f prime de x est égal à 2 exponentielle moins x sur x facteur de l'exponentielle moins 3 x carré moins 1. Bon, la question B, reste sur le tableau de variation de F. B, dressons le tableau de variation sur x facteur de exponentielle moins 3 x carré moins 1 est égal à 0. Nous avons un produit qui est long, donc qui est nul, c'est la défacture nulle. Puisque 2 exponentielle moins x carré sur x ne sera jamais nul, alors c'est l'autre facteur qui est égal à 0. Donc exponentielle moins 3 x carré moins 1 est égal à 0, cela appelé, est équivalent à exponentielle moins 3 x carré, pardon, est égal à 1, est équivalent donc, on va introduire le logarithme, est équivalent la ligne de l'exponentielle de moins 3 x carré est égale à la ligne de 1 est équivalent à moins 3 x carré est égale à 0. Bon, ici, 3 moins 3 n'est pas nul, donc est équivalent à x est égal à 0. Bon, le tableau de variation est le suivant. X, bon, 0 plus infini, donc f prime du x, f du x. Bon, quand x est supérieur à 0,
On a x supérieur ou égal à 0 sur un oblique, comment 3x carré il est négatif, cela implique que exponentiellement 3x carré est inférieur à exponentiel 0. Cela implique exponentiellement 3x carré moins 1 est négatif. Donc ce terme est positif et ce terme est négatif, alors cette fonction est négative. Donc, ici le temps vers 0, la limite c'est en 0, il continue à 0, donc c'est ln de 2. Voilà. Au tableau de variation. Construire sur F la représentative de F dans le même repère, dans le repère OEG, c'est-à-dire le repère où on a tracé C de petit F. Bon, on va tracer cette courbe. Bon, on a limite de grand F de x quand x tend à 0 plus est égal à 0. Alors, si le grand F admis n asymptote horizontale d'équation y est égal à 0. Donc on va tracer sur une F. Bon, on a bon, de ln de 2. ln de 2, c'est 0,69 multiplié par 2, donc 0,7 multiplié par 2, c'est 1,4. Donc, ici 1,5, et ceci de ln de 2. Bon, la fonction admet une demi-tangente horizontale. Donc si F il a donné un point d'inflexion, c'est-à-dire un point où c'est l'échange de concavité, mais il n'est pas demandé dans l'exercice, donc c'est pas la peine de la rechercher. Maintenant on passe à la question 5. La question 5
La question 5. Soit G. Alors, soit G. La fonction numérique définie. La fonction numérique. Par partie. Bon, on a, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, g du x est égal à l'intégrale de x jusqu'à 4x, exponentielle moins t, ln de t du t, qui est égal à 1 moins intégrale de x 4x. Ici, moins exponentielle moins t, ln de t dit de t. Moins exponentielle moins t n'est rien d'autre que la dérivée. Si la dérivée de l'exponentielle moins t. Bon, pardon. Si la dérivée de l'exponentielle moins t. L'aide du type A. Du T. Et d'après la formule de l'intégration par partie, donc il est égal à l'intégrale de exponentielle moins T, l'aide du T de X jusqu'à 4X, moins, donc c'est plus, intégrale de X. 4x exponentielle moins t, la dérivée, ln, prime de t, dit de t. Qui est également
a exponentielle moins x, ln de x, moins exponentielle moins 4x, ln de 4x, plus intégrale, bon, x est positif, donc on peut l'écrire sous la forme de racine du carré de x. Ici, exponentielle moins t sur t du t, qui est égal donc, cette quantité n'est rien d'autre que f de la racine du x. Donc c'est f de la racine de x. Donc est égal à exponentielle moins x, ln de x moins exponentielle moins 4x, ln de 4x plus f de la racine de x. Qui est égal à f de la racine de x moins exponentielle de moins 4x, ln de 4x plus exponentielle de moins x. Ln de x. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, j de x est égal à f de la racine de x moins x plus voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, D. D, calculons. La limite. De moins x, moins exponentielle moins 4x, multiplié par ln de x. Quand x tend vers bon, on a, pardon, on a limite de l'exponentielle moins x moins exponentielle moins 4x ln de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0 est égal à limite de 1 moins exponentielle moins 4x, pardon, est égal à la limite de 1 moins exponentielle moins 4x multiplié par exponentielle x multiplié par exponentielle moins, moins x ln de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0. Qui est égal à moins limite de l'exponentielle exponentielle moins 4x multiplié par exponentielle x exponentielle moins 4x plus x et moins 3x moins 1 multiplié par exponentielle moins x ln de x
Bon, ici on va diviser par 3x. Donc on multiplie ici par 3, donc c'est moins 3. Ici on multiplie par x. Quand x tend vers 0, x supérieur à 0 est égal à moins 3 multiplié par limite exponentielle moins 3x moins 1 sur moins 3x quand x tend vers 0 plus multiplié par limite de l'exponentielle de moins x quand x tend vers 0 plus multiplié par limite du x ln de x quand x tend vers 0 plus. Bon, cette limite, c'est une limite usuelle, il faut 1 multiplié par cette limite, si exponentielle 0, c'est 1. Mais la limite quand x tend vers du x ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Donc cette limite est égale à 0. D'où limite de l'exponentielle moins x, exponentielle moins 4x, ln de x, quand x tend vers 0, x supérieur à 0, il est égal à 0. Voilà, la limite est égale à 0. Pardon. C'est le même de x. Il s'agit d'un produit. La question c'est en divisant la limite de g de x. Quand x tend vers
0 plus. Est égal à 2 moins 2, 2 moins, cette limite, de l'exponentiellement 4x moins exponentiellement x. Bon, si on va mettre ici plus, on va inverser. Exponentiellement 4x fois exponentiellement 0, c'est 1. Donc, est égal à 2 ln de 2 moins 2 ln de 2, qui est égal à 0. Donc, limite du jeu du x, quand x tend vers 0 plus, est égal à 0. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.